La Coupe des Nations en 2006. J'ai été 7 fois dans le top 3 championnat du monde et j'ai été le premier à faire le double saut perdu arrière en jet ski. C'était à Osgore en 2008. Donc Freeride Company, alors c'est quoi ? À la base, c'est une association dans laquelle on partage, on va dire, les partenaires quand il s'agit du team, dans lequel j'organise des sessions et des cours de jet. Que je suis moniteur deuxième degré de jet ski, j'ai voulu absolument avoir une école de jet freeride. Donc maintenant je m'élargis un petit peu en faisant freestyle, puisqu'il y a un peu plus de demandes au niveau du freestyle. Le freestyle c'est sur eau plate, donc on peut aller sur les lacs, sur les fleuves. Là je rentre d'Abu Dhabi où j'ai passé 6 mois à entraîner une équipe de garde-côtes qui avait besoin d'apprendre le freestyle. Depuis 12 ans maintenant, donc depuis 2000, je donne des cours de jet ski dans les vagues. Voilà, la Freeride Company, c'est le nom de mon école. Alors la position, il faut, quand on est bien habitué en général à faire du jet, on ne se sert pratiquement plus que de ses jambes, je dirais. C'est un petit peu comme en moto, quand on dit aux gens qu'on conduit une moto avec les jambes, ça leur semble toujours bizarre parce que pour eux le plus important c'est quand même le guidon. Et en jet c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est vraiment calé au niveau de ses appuis, alors quelle que soit la position qu'on adopte, hein, que ce soit une position surf comme celle-là avec le pied bloqué à l'avant, le pied bloqué à l'arrière, ou les deux pieds à l'arrière, pour pouvoir avoir les bras très libres. En fait là, bon, je suis obligé de tenir le micro avec une main, mais ça serait une très bonne école que de dire à quelqu'un, voilà, tu vas aller naviguer dans les vagues et tu vas te servir que d'un bras. Parce que justement, pour comprendre qu'on ne s'accroche pas au guidon, on ne se retient pas au guidon, mais le guidon doit être très libre, on doit avoir les bras dans cette position-là et pouvoir en jouer facilement. Alors que si je commence à me retenir au guidon, je ne peux plus tourner parce que je vais commencer à tomber et si je tombe par là, ben je vais tourner à droite et je ne pourrai plus le mettre où je veux. Alors que si j'ai des bons appuis et que j'ai les bras libres, je vais pouvoir aller où je veux facilement. L'important, c'est vraiment avoir des très très bons appuis au niveau des jambes, pas avoir peur de se baisser et c'est l'avantage du fait que justement, on a un bras qui peut monter ou descendre. J'ai besoin de me baisser d'avoir un centre de gravité très bas, je me baisse. J'ai besoin de me lever, je peux me lever. Le bras suit. C'est pour ça qu'on a des bras comme ça qui sont articulés. En fait, un jet, c'est exactement comme... C'est un VNM, hein, c'est un véhicule nautique motorisé. Donc, il a besoin, bien sûr, d'une immatriculation. Exactement. Alors, c'est la taille minimum, c'est 4 cm. Hein, on est vraiment en règle. 4 cm de haut. Voilà. Et immatriculé, assuré, de préférence une licence. Alors, notamment les licences UFOLEP, hein, qui permettent d'être assurés hors compétition. Pour ça, je tire mon chapeau à l'UFOLEP qui, depuis pas mal d'années, nous a donné la possibilité d'être assurés en entraînement, ce qui n'est pas toujours le cas des fois des licences. En fait, en jet ski, il existe un petit peu toutes les compétitions possibles et imaginables, hein, que ce soit en jet à bras ou en jet à selle. Donc, dès qu'on est mordu un peu par ce sport, il y a plein de possibilités. Freestyle, eau plate, freeride. Dans les vagues. Voilà. En fait, le freestyle, c'est faire des figures avec un jet. On aurait peut-être dû appeler le jet ski freestyle, comme l'est le freestyle motocross, parce qu'ils prennent des rampes. Mais comme il n'y a pas de freestyle, on va dire, sur le plat en moto, si ce n'est, ils appellent ça le stunt, nous, il a fallu trouver un autre nom, puisqu'il y avait déjà le freestyle sur eau plate. On appelait ça du freeride. On aurait peut-être pu appeler ça du freestyle dans les vagues. Talivet le 2 et le 3 juin.
Ça permet évidemment chaque année de voir un peu l'évolution des machines. Tout le monde prend un petit peu ses repères l'un par rapport à l'autre, par rapport aux figures. Ça remet un petit peu tout le monde à niveau. Et puis c'est toujours intéressant parce qu'on a des copains qui viennent d'outre-Atlantique et puis du Pacifique. C'est quand même très disputé parce qu'il y a des Brésiliens, on a des Américains, on a des Allemands, on a Brésiliens, tout ça. C'est toujours intéressant de pouvoir d'être en compétition contre ces gens-là. Quoi. Voilà. Une bonne ambiance.